Amis viewers, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de nos aventures sur Stellaris avec le mode Star Wars. Les modes Star Wars, qu'il y en a plusieurs installés. Faudrait que je vous fasse le détail peut-être un jour. Alors, nous avons besoin de nourriture. C'est quoi ça? Bonheur? Pourquoi il y a un... Au chômage? Cette pop est au chômage. Ah bah oui, bah là. Putain de chômeur. Voilà. Est-ce qu'il y a de la bouffe? Non, il n'y a pas de bouffe. Hop, fais-moi ça, s'il te plaît. Ensuite, ici. Tu vas faire une ferme hydroponique, là. Si! Bien aimable. Il faudrait un centre d'alimentation aussi. Est-ce que tu peux faire un centre d'alimentation? Est-ce que tu es capable? Tiens, un centre d'alimentation. Ah ouais. Ouais mais non. Non. Ouais, c'était celui-là qu'il fallait faire. Attends. Ah, c'est ça. Centre d'alimentation, produit de... Prospérité, ce sera la prochaine branche, hein, je pense. Qu'est-ce que t'étais en train de faire? Des conneries, sûrement. Donc là, tu vas faire construire un centre d'alimentation. Ah mais non, t'as pas de sous. Comment ça coûte? 135, c'est très bien. Hop, voilà. Comme ça, on va gagner 10% de production de toute l'énergie, plus 3, plus machin. Ça va être très bien. Ça c'est bon. Ici, il faut que tu commences à me déblayer des cases. Je te remercie bien. On va faire de la bouffe, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait? Il migre? Mais... Pourquoi tu migres, du coup? Tile blocker cleared. Construction complete. Une petite ferme hydroponique. Deux secondes. Une petite ferme hydroponique. C'est bon, c'est en cours. Ça, toi, tu peux venir bosser ici, mon ami. Comme si c'était bien plus 1000 réacteurs à fusion, tout ça. Défense synchronisée, ça ferait quoi? Modificateur de station. Ah, c'est sur eux, d'accord. C'est bien. Ça, c'est bien. D'accord, est-ce que tu peux me trouver un truc pas bien? On va faire ça pour l'instant. Comme ça, je pourrais faire des panneaux solaires sur toutes mes stations, tous mes spatioports, pardon. Ça manque pas de ferme hydroponique ton histoire, là, dis donc. Mais là aussi, hein. Non mais après, il se plaint qu'il a pas bouffé le connard, quoi. Déblaye. Situation log updated. Pourquoi tu... Ah, je suis que... Attends. Je suis que niveau 4? Merde! Et lui? Ah, t'es chiant, putain. Il va être bien ce système là. Ouh, il va être bien. Qu'est-ce qu'il y a qui est quoi? Hein? Je sais pas. Oui? Avec quel sujet? Seul complete. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, stop, pause. D'accord. Bah là, je peux. Ah, attends. Là, j'ai ma putain de flotte de corvette, mon gars. Ah, moi, je suis pas là pour déconner, hein. Attention. Moi, tu veux la guerre, t'as la guerre. Mais alors, t'es fou! Je ruine ta gueule! Avec ma super flotte intra-urinaire. Par contre, faudrait peut-être construire les stations, là, non? Je suis à plus 8. Ouais. Bon. Je suis passé dessous. Oh, t'inquiète pas, la bouffe, elle va être en... Construction complete. En positif très longtemps, quoi.
Alors là, il faudrait deux stations, ça fait 180. Construction complete. Hostile fleet engaged. Pause. Alors, la petite bagarre. Bon, ça va être tranquille, hein. Ça, c'est des drones miniers. Putain, hache. Les drones, ils sont plus gros que mes corvettes, quand même, hein. J'ai l'impression de taper comme une fiotte, sérieux. T'as quoi comme vaisseau scientifique dans le coin? D'accord. Bah après tu reviendras ici. Ouais, vas-y, allez, finis-moi cette connerie. Situation log updated. Après tu reviens là, et projet de recherche dans le système, plus de reconnaissance du système. Voilà. Ensuite, ma flotte, elle va à Dagobah. Non. Ah si. Non. Si, non. Ta gueule, merci. Hop. En orbite, c'est bon? Tu vas en orbite là? T'es sûr? Bon, ça a l'air d'être bon. Alors, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Lui, il a terminé sa recherche. Donc c'était Cybex, machin. C'est parfait. Ici, qu'est-ce qui se passe? C'est bon. Ici, c'est... Pourquoi ça en pause? Pourquoi ça en pause? Tu m'expliques? Qu'est-ce que j'ai fait quoi? Ah bah j'ai fait le con, je sais pas, bah c'est mort. Non bah c'est mort, j'ai plus que 43 jours pour le faire. 11 jours, 10 jours, merde, j'ai complètement... Ah bah j'ai... Bah je sais pas ce que j'ai foutu. Oh merde. Oh, déception! Bon, allez, va là-bas. Putain, je suis dégoûté, quoi. Ok. Donc ça va aller bosser. Ouais, bah après, voilà, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu construis, j'imagine? Ouais. System survey complete. Que? C'est quoi, ça? C'est une anomalie niveau... 4 là-bas. Allez. Research complete. Ouais. Tu fais d'abord ça avant de venir, on est d'accord. Bon. Oh, research complete, j'ai pas fait gaffe. Symbole de l'unité, machin, tout ça, ça marche. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous chercher de sympa? C'est quoi des civismes disponibles? C'est pas, je ne sais pas ce que ça veut dire. Révèle la ressource. D'accord. Espérance de vie de la personnalité plus 10 pour 10 ans, c'est bien. Plus 10 ans pour tout le monde, tous mes gars. Alors que je pense que voilà, 59, ils commencent à vieillir, hein, mes hommes. Bon, pourquoi pas? Cheminement biologique et cheminement administratif. Ouais. Ça c'est important, hein. Complexe capital de l'Empire. Peut-être pas pour tout. Par contre, je viens de voir, mais ça c'est une très bonne nouvelle, que le spatioport niveau 3 était... Bah il est là. Hein. Il reste un mois donc. Donc ça va le faire. Ça va vraiment le faire, j'espère. Research complete. C'est ça. Alors, le spatioport niveau 3 est bon. Maintenant on va pouvoir faire turbo laser défense module. D'accord. Là, il y a beau laser. D'accord. Fais ça? Allez.
On fait ça, on va aller dans le concepteur de vaisseau. Alors. Ouais, il a l'air d'être mieux, sauf que... Je voudrais vraiment... Ouais, voilà, on garde les blasters. Je sais pas si c'est utile, efficace, j'en sais rien. Alors, l'Undaunted. Voilà, ça c'est un vaisseau Star Wars. Alors, on va lui mettre... Oh, j'ai pas de blaster moyen. Ah, d'accord. Ok. Ça marche. Alors. Ça, là. Ça, là comme ça. Automatiser la fin. Super. Sauvegarder, oui, fermage. Bien, ensuite, Dagobah, spatioport, ça c'est pas bon, et ça coûte combien alors, dis-moi, 250, ça va aller vite, juste 2 mois à attendre, inactivité, qui est inactif ?831, on va voir si ça augmente. 831, qui dit mieux, qui... Putain, on a perdu 80. Alors... Donc, spatioport, niveau 3. Oh. Ah, putain, bah oui, je me suis dit quel con. Je me suis quel con, ah ouais. J'ai dit combien? 250? Alors. Non, arrête de cliquer partout, tu vas encore dépenser de l'argent. 208 pour un Destro. On passe en très rapide, fais voir un petit peu la carte de l'univers intergalactique. L'univers intergalactique, ça ne veut rien dire ça, monsieur. Non, ça, je valide pas. Les recherches, c'est en cours, ça? System survey complete. ...318, ça y est. Alors, Dagobah... Hop, spatioport niveau 3, c'est parti. Pareil, hein, il faut, tous les 4 spatioports, faut les monter niveau 3. Ça y est, plus vite, mieux. Réseau de panneaux solaires, super. Centre d'alimentation 2, ouais, blam, direct. Boum. Bah ouais, attends, j'ai encore énormément de trucs à construire, la thune ça suit pas du tout. Panneau solaire. Oh, ça va, ça coûte rien, quoi. Ah. Vas-y, perds pas de temps, des panneaux solaires partout. Ouais, oh, c'est parfait. Débris analysé, alors, recherche, plus 5, plus 15, laser minier, plus 20% d'un coup. C'est génial parce que laser minier, on avait déjà des crédits d'impôt dessus, des crédits de recherche. On a 2 planètes à coloniser, faut le faire. Faut très clairement le faire. Combien ça va me coûter de faire des vaisseaux de colonisation, ils sont toujours aussi chers? Ouais, enquêté, bien sûr. Voilà, plus 11 de machin, c'est bien ça. Maintenant, tu me fais mon vaisseau colonial ASAP. Construction complete. Là, j'avais dit qu'il fallait que je colonise, et puis bah, je le fais pas, en fait. Je respecte pas mon plan du début à la fin, donc ça ne va pas aller. Construction complete. Même si c'est un plan de merde, on s'en fout, faut respecter. Special project complete. Projet archéologique terminé, l'analyse du module de recherche de la Cybrex trouvée, nanana. Tout ça pour dire que je gagne 96 points d'ingénierie. Très. Pause, F3, voilà, tout ça a été recherché, donc j'ai plus de projet, d'accord.
Voilà. Ça, c'est des recherches que je pouvais pas me permettre tout à l'heure. Enfin, plutôt, quoi. Anomaly found. Très sympa. Bon, tout ça, ça va pas nous permettre d'augmenter notre zone d'influence. Bon, quoique un petit peu avec Ival, regarde. On va gagner deux... Si. Le prince, c'est quoi le prince? Situation log updated. Hop. Le prince, allez, enquête. Construction complete. 360, on peut faire un nouveau vaisseau colonial. Allez. Deux colonisations en même temps, carrément quoi. Le mec il en peut plus, ça y est. Il a craqué le bétail. Complete. Alors, Ival, la planète, coloniser, boum, ici. Bah ici, attends, carrément. Allez, c'est parti. System survey complete. Nous verrons bien qui est le plus puissant, j'en ai strictement rien à branler. Alors, concrètement, je m'en balèque. Alors, attends. Le texte, dont le titre signifie approximativement le potentat local, est rédigé dans ce qui paraît être un dialecte ancien dérivé de la langue usanagnanien de la nation. Le texte, qui revêt incontestablement une importance historique pour eux, pourrait contenir de précieuses informations. Là, on peut percer les secrets. Nous devons le rendre à ses propriétaires, contactez-les. Leur prose est banale, leurs idées sans intérêt, contactez-les. Parce que, voilà, c'est... xénophobe. D'accord. Bon, allez. Alors, vous avez trouvé l'unique exemplaire encore intact d'un texte intitulé... Ah oui. Ah oui, alors... Bah... Ah oui, je te le donne. Je crois que j'avais mal compris. Militariste... voilà. Allez. Oh. Pas bon. Pourquoi il bouge pas le vaisseau colonial là? Colonization in progress. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression qu'il se fout un peu de ma gueule des fois lui. Alors j'ai 380 thunes, donc on va faire spatioport, destroyer. On peut en prendre au moins 5, mais j'aurai pas les sous, je peux en faire qu'un. C'est bien de savoir que je peux en prendre au moins 5. Ça fait toujours plaisir. On va aller voir un petit peu la puissance du destroyer par rapport à la corvette. Construction complete. D'accord, plus 13 de boue, enfin de... Il a l'air... Attends. T'as fini ton vaisseau colonial, toi, c'est ça? Donc lui, il va... Ici. Aperçu, colonisé, et... Faut pas que je perde mes 3 de bouffe, hein. Ça, je sais jamais si ça nique la case, je sais pas. Alors, surface. Tu as fait ta... Ouais. Ah merde, par contre, il migre, lui. Ok. Ok. Ok, super. Hop, pause, recherche complete. Permet le module, nanana. Nouvelle recherche. Permet le bâtiment. Silo à minéraux. Calon électromagnétique. Post-combustion. Donc on va aller voir un petit peu le concepteur de vaisseau. Turbo laser. Ah, je dis génial. Attends.
Ça se trouve, c'est de la merde, on sait rien. Après, fais voir deux secondes. Non, alors plutôt là. Bon, alors on va faire autrement, on va faire ça comme ça. Voilà. Alors. Quel serait l'intérêt? 5 en pénétration des boucliers, ignore 15% du blindage. Je sais pas. Je sais pas quoi. Pour moi, c'est mieux comme ça, mais. Écoute, on va essayer comme ça, on verra ce que ça donne. Alors, dégueu, ma flotte. Destroyer 56, corvette 31. C'est vraiment merdique, hein. Colonization in progress. Hmm. On se prépare à améliorer ce qu'on n'a pas encore là-dessus. C'est en cours. Un cas. Donc, ça a bien monté déjà. Alors, Destroyer 69, Corvette 37. Entretien 0,28, 0,73. Ok. Bouclier 80, ça après normalement. Ouais. Wow. Blindage 19, 7. 600, 300. Et deux fois plus de PV quand même. Ouais, non, c'est quand même beaucoup plus tanky, un Destro. C'est quand même beaucoup plus tanky. Ok. Eh ben, c'est bien. Non, ce qui est pas bien, c'est que là, il y a plus personne qui branle rien, Krug. C'est pas normal. Alors, attends, F3. Là, j'ai déjà tout recherché, donc, faut aller bosser, hein. Tiens, bah, là, bah, tiens, parfait. Ça, c'est vraiment pas normal d'avoir un truc, tu vois. Pas normal, moi. Une planète dans ma zone d'influence qui est même pas encore reconnue. Ça, on va l'utiliser juste après, il faut un petit peu de pognon. D'accord. On va bon, écoute. On va se diriger vers cette planète-là. Je sais pas pourquoi elle a été... Je sais pas. Attends, je crois que je me suis planté. Ok, bon, amis viewers, je vais te laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu mets un pouce. Si c'est pas le cas, tu mets un pouce quand même. Ça change rien pour moi. Ça pèse ou pas, mets des pouces. Allez, des bisous à tous. N'hésitez pas à commenter la vidéo, ça fait toujours plaisir. À demain. Ciao, ciao.